周回の宝石モンテカルロモナコグランプリです。Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la cinquième manche à Monaco, saison 95 de Formule 1. Et donc c'est un circuit où on va un petit peu galérer, je pense, puisque c'est un circuit très long. Et il va falloir essayer de passer... Déjà on va voir en qualification ce qu'on peut faire, mais il va falloir absolument pas se foirer. Donc c'est parti. Et comme je suis sympa, je vais vous mettre une vue... C'est assez troublant quand même, comme vue. Alors j'ai quand même changé de vue, c'est pas possible. Je pense que je n'y arriverai pas comme ça, donc voilà. Donc là, l'avantage c'est que la vitesse de pointe qui est assez faible ne sera pas trop dramatique puisqu'on est à Monaco. Mais il restera notre accélération qui est quand même assez pourrie. On va bousiller les pneus à l'accélération, ça c'est une certitude. Et vous voyez déjà quand on est dans le tunnel, la caméra ne change pas, alors que dans le version 97, on est ramené un peu plus vers le bas, comme ça. Bon, voilà, je suis complètement... Ah non, c'est bon, ça va, c'était réglementaire. Oula. Ouais, c'est assez étroit. C'est pas évident de bien se positionner. On va voir. Bon, ouais, j'ai loupé ma trajectoire sur le dernier virage. On va essayer de faire mieux, mais je pense que je vais encore me faire gêner pour être devant. Voilà, je le savais, je vais me faire gêner par d'autres voitures. Et oui, il y en a beaucoup là. Alors là, pour pas se faire gêner, il va falloir y aller. On a une des trois que j'ai réussi à dépasser. Allez, je change de la vue pour vous montrer le tunnel. Alors on l'a un peu mieux pris, je pense qu'on a peut-être un peu plus d'avance du coup, enfin de moins de retard. Voilà, c'est pareil, on a eu la corde. Et ça va finir donc sur un temps en 18e position. 18e position. Bon, on va voir si ça se finit comme ça vraiment sur la grille. Donc le circuit qui est bon, faisable hein, dans l'absolu, mais bon, vous allez voir qu'on va être pas mal gêné, je pense. Alors, Williams, hein, Paul Schumacher 2e, 3e Coulthard, 4e Berger, 5e Ferrari, à Calisi encore, Hakkinen, Herbert 7e, Brundle, Ligier, Muginonda. Ah, Ligier pas mal. Temps correct. Est-ce qu'il y a eu des petites surprises? Panis 12 non, Morbidelli non, Kateyama non, Badoer. Moi, 16e Badoer encore. Bouillon. Cet arrêt-là, Gachot. Voilà, à savoir que c'est la dernière course de Simtek dans la vraie vie, c'est-à-dire que bah, après ce Grand Prix-là, ils ont fait faillite. Enfin, ils ont mis les clés sur la porte. Il va y avoir un pilote remplaçant, japonais, qui devait amener un sponsor. Oula, je me trompe. Qui devait amener un sponsor, et finalement ça n'a pas été le cas. Alors, il y en a qui pensent que c'est à cause des problèmes économiques au Japon suite au tremblement de terre de Kobe la même année. Aïe.
Et c'est dommage puisque bon bah cette écurie Simtek en 95 avait bien progressé par rapport à 94 et était devenue une équipe bon c'était une équipe de fond de grille mais elle a laissé entrevoir quelques bonnes performances. Surtout par rapport à Forti et Pacific. On était largement devant. Bon, à part ce Scattarella qui était assez mauvais en termes de performance pure. Allez, donc là on est pas mal, on est 11ème. J'ai pas vu le nombre de tours qu'on a à faire, mais on va en avoir beaucoup. À mon avis, on va avoir peut-être 10 ou 19. Il faudrait qu'on accélère beaucoup mieux à cet endroit, mais c'est pas grave. En vrai, il me reprenait assez vite dans la ligne droite. La McLaren derrière. Essayer de me repiquer au freinage. Allez, accélération. Aïe, j'ai accéléré trop fort. Du coup, j'ai touché la Ligier. Voilà, donc c'était la dernière course de Simtek. D'ailleurs, elle n'a pas duré longtemps parce que les deux pilotes ont eu un problème de boîte, je crois. Très rapidement dans le début de la course. Alors on va essayer de passer à l'intérieur sur la Ligier. Voilà, ça passe. Oh, peut-être l'extérieur même sur là. Non. Alors je vais essayer d'être propre quand même parce que ça va m'être souvent reproché, je sens, sinon. Même si là c'est pas le plus facile de Monaco, mais. Justement, ça va avoir une trajectoire un peu différente dans la chicane. La chicane, elle est pas mal, on peut les rattraper, mais le problème après, c'est qu'une fois qu'on les a rattrapés, on peut doubler. Il n'y a pas de place. On va essayer de passer par là. L'accélération sur la Jordan, oui, ça passe. J'ai effleuré la Benetton. Alors on pique au freinage. Oh, attention. En 9ème, donc on a déjà gagné pas mal de places dès le départ. Hein. Vous l'avez vu, on était 13ème au premier tour. Enfin, au premier virage, quoi. 13ème, ça veut dire beaucoup de temps gagné sur l'ensemble du Grand Prix. Parce que pour doubler tout le monde, vous avez vu, c'est pas évident. Et devant, bah. Oh là là, ils sont deux à s'ajouter. Alors on va essayer autrement, on va essayer de faire comme ça. Oh, il était magnifique ce dépassement. Le fait de repiquer d'un coup à l'intérieur. Ah, eux aussi, ils n'hésitent pas à essayer de me dépasser en me touchant. Donc au départ de la vraie course du Grand Prix de Monaco 95, il y avait un petit carambolage dès le départ puisqu'il y avait la Williams de Coulthard qui était en travers dans le premier virage, qui était beaucoup plus serré, hein, il était comme on le voit là, par rapport à maintenant. On ne peut pas aller sur la droite, il y avait un mur comme ici. Ah, trop rapide la Benetton. La course après dans le reste, je ne m'en souviens pas, je suis désolé. Je sais juste que Schumacher a gagné. Après, c'est tout. Ça remonte quand même assez loin. Hein. Ça remonte à 21 ans maintenant. C'est énorme. Aïe. Et voilà. Bon, je vais pouvoir la rattraper dans cette zone. Hein, parce que je suis quand même plus rapide dans la zone mouvante ici. Oh, et la Ferrari, j'ai presque pu la piquer au freinage. Et ouais, l'accélération, je suis très très mauvais. Et c'est limite plus ça qui m'embête qu'autre chose parce que du coup il se jette au freinage. Heureusement il peut pas trop passer. Ah, la McLaren qui est passée derrière.
Là, là ils sont à 3. Oh, la McLaren là. Quand je vous dis que la McLaren c'était les plus chiantes du jeu, je ne suis pas trompé. Ah dommage, j'arrive toujours, j'accélère bien, je suis bien passé, mais c'est toujours légèrement trop tard pour pouvoir tenter quelque chose. J'ai encore l'aide dans tout ce qui me reste. Non, je sais pas si vitesse. À part peut-être en tombant les vitesses, mais... Oh, bien. Oh là là là. Oh, le fait qu'il se soit loupé... Oh, parfait. Le fait qu'il se soit loupé tous les deux, ça m'a permis de passer à l'intérieur, mais alors c'était vraiment opportuniste. Et voilà, je t'appelle 6ème, ouais, dans les points. Ouais, la vitesse de... La vitesse de passage dans le tunnel. Sympa, je vous mets une petite vue, une petite vue intérieure pour vous montrer un peu ce que ça donne. C'est vrai que c'est pas mal, hein, ça y a quand même un bon effet de vitesse. Il y a moins de marquer de gros points, hein. Vous voyez, je suis quand même assez rapide, j'arrive à les rattraper. Même si dans une droite après c'est plus trop ça. Hey, il y a une Benetton. Et voilà. Il y a Jordan. Ouais, je fais pause. Ah, voilà. C'est bon. Alors, Hilberg et Raikkonen, il y a beaucoup de tard. Allez-y, Verstappen. Il n'y a aucune Benetton dans le top 10. Dans le top 6, pardon. Aïe, la petite vue sympatoche. Ah, quelle vitesse il revient avec la... Avec la Jordan. Aïe. Le problème c'est que je vois pas trop mon gabarit, donc j'ai l'impression que je peux toucher tous les murs. Bon, on va se reconcentrer pour essayer de revenir sur eux. Oh, attention. Ouais, j'arrive à les recoller. Accélération, je tue mes pneus, mais c'est pas grave. Oh, ouf. Oula, c'est touché. Et ça a failli profiter à la Jordan qui d'ailleurs... Oui, je peux pas parce que chaque fois ils sont vraiment au milieu du virage au ralenti. Et si je prends l'extérieur, je prends le risque de me faire déborder par la Jordan. Ah, ils vont peut-être se gêner. Ah, mais du coup, bon. Oh, oh là 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 là. Et voilà, je vais changer la vue, vous avez vu ce qui s'est passé direct. Ça n'a pas manqué. Et voilà, en plus,
Et voilà, tout est perdu pour rien. Faut tout recommencer, c'est génial. Purée, c'est pas vrai. Bon. Tout est à refaire. Alors, on est au 7ème tour, donc il reste beaucoup de marge, mais quand même. En plus, je suis encore derrière une, devant une Jordan. Si j'aurais piqué là. Oh là là, ouais, non, c'était vraiment optimiste là. Là, vraiment très très optimiste. Ouais, 7 secondes, ouais, on a pas eu 4 secondes dans l'histoire. McLaren va en profiter direct. Ouh, pas mal, là je l'ai bien pris, j'ai bien pris, je vais pouvoir piquer au freinage. Ouais, parfait, parfait, on est passé. Alors on va prendre la Benetton ici. Ok. Et voilà, bon, là c'est complètement arrêté devant moi la Williams, donc elle est bien gentille. Mais... je peux pas trop l'éviter. Ouais, j'ai pas vraiment fait mon freinage là par contre. Ah, ils sont en train de s'attaquer là du coup. Ils vont être au ralenti, mais ça va pas, être au bon moment. Oh! Oh, il est pas mal, je dépasse. Bon, c'était pas voulu. J'ai dû prendre l'extérieur, mais bon, je pensais pas que j'allais dépasser. Et du coup, on est devant New Williams, je sais pas qui c'est. Bah, c'est Coulthard, du coup, parce qu'il est en tête. Bah, qui est devant nous, allez-y, Hakkinen, Berger et Hill. On est revenu à notre place quasiment. Donc là, ils sont en bataille. Oh, ouh. Ah, bah voilà, je me suis fait reprendre du coup. Ah, mais c'est pas vrai, les McLaren dans ce jeu, mais c'est incroyable, hein, franchement. Pff. Ça passera pas. Oh les McLaren, mais je ne peux plus les supporter. Et pourtant, c'est une des voitures les plus jolies, je trouve. Mieux. Mais en dehors du fait qu'elle soit jolie, je fais n'importe quoi. Voilà. Je me loupe ton bateau. Enfin, j'arrive pas à. Elles sont trop agressives en fait. Ouais, McLaren, ça, ouais. Et puis elles sont toujours dans la zone où moi je suis, c'était dans la zone des points et 10ème place. Du coup, quasiment toutes les courses, elles m'ennuient. Un peu comme les Jordan d'ailleurs, mais bon, je c'est un peu moins violent. Et vous voyez là elles bouchonnent, alors qu'elles sont vachement plus rapides que moi normalement. Et là, alors là ils vont essayer peut-être de se dépasser. Attention. Voilà, je suis content. Okay. Il y aurait des dommages, je pense que ma voiture aurait été détruite depuis bien longtemps. Alors, je joue complètement mon freinage. Et le problème c'est que je suis obligé de freiner à fond. Si je freine pas à fond, enfin si je freine pas dans les moments, je me fais dépasser par la McLaren direct. Je le sentais venir, c'est arrivé. Aïe. Et, ouais, et derrière, voilà, si je freine pas, c'est eux qui me plantent, hein, c'est pas... Mais regardez, à chaque fois que je fais ça, je me fais toucher, je peux pas. Je suis obligé d'aller comme un bourrin, en fait, dans ce jeu, c'est ça le problème. Bon, c'est pas grave, on va se reconcentrer, 10 tours. Prendre la victoire là je la sens pas du tout hein. Même si on est qu'à 5 secondes. Oh ah bah là ouais mais c'était trop étroit. Je vais piler complet. Voilà,
ça ne passera pas non plus ici. Et là, je suis dans une droite, je suis trop lent. Donc, ça ne passera pas. Et en plus de ça ne passera pas, j'ai deux Benetton qui vont s'amuser à se me dépasser. Oh! Ah ben voilà, l'extérieur s'est passé. Alors c'était vraiment juste. Mais c'est passé. Donc de retour dans les points. Un peu devant, ça s'attaque. À l'intérieur sur la Benetton, ça passe. Faut vraiment faire gaffe à ces vivres parce que c'est pas les. Ça peut ne pas partir en tête à queue comme tout à l'heure. Allez, on se défend pas trop mal là. On est revenu à 5ème place. Oh! Et voilà. L'erreur qu'il ne fallait pas faire, je l'ai faite. Ah, j'ai été tellement opportuniste sur le livreur. De toute façon, devant ils vont nous gêner. Si j'arrive à la passer ici. Non, ça passera jamais. Mais ouais, mais à chaque fois, il y a un truc qui pousse, quoi. Mais c'est pas possible. Moi, je veux bien être propre, mais si les ordinateurs ne font pas du tout pareil, c'est mort. Ah, j'ai tenté la même, mais bon, ça va passer. Alors, on est au deuxième tour, il va recommencer un petit peu à se bouger, parce que si on veut vraiment marquer des gros points, là, il va falloir... C'est pas 5ème qu'il va falloir terminer, c'est peut-être sur le podium. Si on y arrive, évidemment, si on y arrive, on n'y arrivera pas. Ah, là, je passe. Parfait. Là, je fais l'intérieur sur la Ferrari. Ouais, ça passe aussi. Et on est quatrième. Alors, les trois premiers sont là. Alors logiquement il y a moyen de gagner puisque comme vous pouvez le voir on est quand même beaucoup plus rapide qu'eux. C'est limite mais on est quand même un peu plus rapide qu'eux. Donc en absolu on peut gagner. Il faut y en profiter de ça parce que ça n'a pas toujours le cas. Ouais, ils sont trop collés. Et puis comme ils ont l'aspiration, au freinage, bah, ils sont trop proches. Le problème c'est qu'il y a les meilleurs tours pour Demon Hill, mais je les rattrape, donc il y a un problème quand même. Et il y a une Jordan. Oh la Jordan qui s'est coupée. J'allais dire, il y a la... Oh, allez, on va tenter peut-être l'accélération, la Ferrari... Non, ça passera pas. J'allais dire, il y a une Jordan 3ème, c'est quand même pas mal. Attends, la 4ème, mais... Alors j'aurais bien changé de vue pour cette course, mais vous avez vu à quel point c'est pas évident. Et finalement, la Benetton qui est remontée avec moi, hein. C'est les quatrièmes maintenant. Ah j'ai fait le bourrin, j'avoue, j'ai fait le bourrin. Regardez le monde qu'il y a derrière. Alors en bataille pour la première place avec Demon Hill. Je devrais pouvoir me le faire, Demon Hill, les moyens. Voilà, au freinage, ça peut être pas mal. Allez, il accélère vite. Non, ça ne passera pas. J'espère que ça va pas faire une Senna Mansell.
Rester toute la fin de course derrière la voiture, à attaquer comme un malade alors qu'on est 10 fois plus rapide. Et je parle de l'épisode 92. Ouais, 92. Ouais, derrière le monde qu'il y a. Oh, oh. Et le pire, c'est que c'est pas forcément moi qui bouchonne, c'est tous les gens. C'est démoniaque. Regardez, il est là, il est là, l'accélération, ça va tout passer. Et non. Là, il est malin, Démonil, là. Il donne pas autant d'espace que les autres. Mais l'accélération, comme ils reviennent d'un coup. Mais regardez. Alors derrière, pour les places, ça va vraiment être de l'aléatoire complet. Oh! Bon, donc j'accélère à fond au bon moment. Ouais, à quel point ils reviennent vite, mais c'est incroyable! Ah non, ça passera pas. C'est quand même sympa de vous mettre une vue différente à chaque fois. Parce que c'est vraiment pas le moment. En plus, j'ai perdu du temps, vous avez vu. Ouais, derrière, derrière c'est le bouchon. Hein. Voilà. Derrière, c'est le départ en vacances d'été. Là. Il y a la caravane. Bon, allez, là il va falloir vraiment y aller parce que je pense que c'est bientôt la fin de la course. Ah, regardez, c'est pas possible. Oh, dommage. Ah, j'ai pas réussi à tourner assez pour passer à droite. Ah, il y a les fastest lap, mais il me dit pas le tour qui reste. Oh, c'est tellement au chausse-pied, c'est tellement ridicule. Non, je prends l'intérieur, ça passera pas non plus. Pff, 17 tours. Je pense que c'est fini, il reste plus qu'un tour peut-être à faire, ou c'est le dernier. Mais non, la Team Tech n'est pas assez puissante pour contrer la Williams. Non, pareil. Bon, on va monter comme ça peut-être. Allez, à l'accélération là. Ah, ça passera pas. Un coup, je touche. Ah, je pense que c'est fini. Ça sera peut-être un tour, mais je pense que c'est fini.
Ah bah non, il reste encore un tour. Et là, au freinage. Oh, allez, ça passe. Mais bon, j'ai dû vraiment retarder au maximum. Vous avez vu à quelle vitesse elles reviennent. Heureusement qu'on a à Monaco, hein, sinon ils m'auraient dépassé, mais depuis 3000 ans. Ah, il y a des retardataires, il y a des retardataires, ça va peut-être le faire. Oh, si on a des retardataires, c'est notre chance. C'est notre chance. Une Pacifique devant nous. Bon, là, je fais bouchon, mais voilà. Oh, il s'est complètement bouchonné, Damon Hill. Est-ce qu'il va réussir à passer? Je ne pense pas. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à me défaire du retard à terre. Oh là, ça passera pas. Ah, il n'y a plus de retard à terre, c'est fini. C'est fini. Ouais, je pense que c'est terminé là. Là, c'est terminé. C'est terminé. Et normalement, victoire, Damon Hill. Et on est deuxième. Bon, bah, j'ai plus de pouce. J'ai plus de pouce. Donc, voilà, donc victoire de Damon Hill au bout de 19 tours de course. 30 minutes la course quand même. Devant donc Häkkinen finalement, qui est celui qui a le mieux profité de tout ce qui s'est passé. Oh, Frenzen sur la Sauber qui était pas loin des points. Donc Barrichello, 4ème sur la Jordan, 5ème Herbert et 6ème pour les deux Benetton qui finalement sont rentrés dans les points. Et pour Williams, qui c'est qui part rentrer dans les points? Bah Coulthard n'est pas rentré dans les points. Je sais pas où il est d'ailleurs. Donc le championnat après 5 courses, ben on est 3ème, donc c'est quand même pas mal, on est plutôt bien placé. Damon Hill donc juste derrière nous à 15 points. Ouais, c'est pas mal. Et Häkkinen du coup qui remonte à la 7ème place. Et c'est Schumacher donc en tête du championnat, même s'il a marqué qu'un point. Et Coulthard n'a pas marqué de point, donc ça nous a permis de les rattraper un petit peu. Et au championnat constructeur, donc Williams toujours en tête. Nous on est 4ème. Si on reste 4ème, comme j'ai expliqué la course d'avant, ça sera déjà pas mal. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite manche vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude. Et on se retrouve pour la 6ème manche. Je crois que ce sera le Canada avec un circuit un petit peu spécial au niveau de tracé. Vous le verrez. Ciao tout le monde!